Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Earth of Iron 4. Donc on reprend tranquillement notre petite partie avec les United States of America. Marqué reste maîtrise de l'anglais. Donc nos camarades fascistes sont en train de monter au pouvoir, 27-90. Donc là théoriquement... Voilà, c'est bien ça. On a débloqué le Prime Mover, équipement de patati patata. Quoi ça? Postal artillerie batterie. Ou encore raid, ça fait quoi? Bon. Et on va faire. Ouais. Un peu sur la doctrine. Honnêtement, je sais pas trop. J'ai pas trop ce que font toutes ces technologies là, honnêtement, dans les tankettes, dans les machins, les artilleries, les différences entre la heavy, la light, la medium. J'ai un peu du mal à saisir ça. Les purges staliniennes, le Japon qui déclare la guerre. La guerre, les tensions mondiales sont en train de monter, donc là on va pouvoir se pencher un peu sur propagande de guerre. Termination. On va passer automatiquement. Logistique. Et... Localisation là. Et on va les rattacher à Pécor premier. Dans quoi on a besoin de l'artillerie de base? Pas besoin d'artillerie de base au vu de mes trucs. La chaîne qui produit de l'artillerie, on va la dismantle. Qu'on va rajouter en support équipement.
Ensuite, mes troupes. Tout ça, on va les faire s'entraîner, après tout. On les met là, et eux, ils font des pompes. Ah, ensuite, on n'a pas encore fini. Commerce, du rubber et du chrome, ouais. Les chantiers navaux. Comme ça, on est tranquille avec les navires pour un certain temps ou un temps certain. Ici, ça s'entraîne. On va le foutre dans l'artillerie. Va voir les zones machin. Ah, c'est bien, propagande de guerre. Militaire construction. Une bonne chose ça. Là, les divisions qui s'entraînent, c'est aussi une bonne chose. On se prépare en montant tranquillement en puissance. Ah, désolé pour le tung ding ding. Branche mon téléphone. Home training. Septembre 37. Donc là, on va commencer à chercher les bordels de 38. Donc, en premier lieu, l'armement. EP40 Warhawk. Donc là, on va commencer un petit peu à taper dans le. Ça, on verra après les autres. Et Doctrine. Et là, par contre, en construction, on va arrêter de produire des chasseurs tout pourris. Mes trois usines d'avions. Le Fifi. Ah putain, je suis con, mais en plus je fais du... Oh le gland, le gland, le gland. J'ai pas vu qu'il y en avait un qui était... Voilà, on fait du P40 Warhawk. Donc là, on va upgrader. Ah, je suis con, moi j'ai fait du chasseur... chasseur bombardier, quoi. Bon, enfin chasseur bombardier, du chasseur... Voilà. Le fascisme qui arrive au pouvoir. Donc si vous faites le premier choix, ça fait une guerre civile. Si vous faites le deuxième choix, ça fait... une montée en pouvoir normale.
Par contre, faut que je regarde un truc là, The Great Depression. Je sais pas comment ça marche, The Great Depression, ce qu'il fait sauter. Je crois qu'en fait c'est un événement qui se passe en 40 morts. Est-ce que si je passe fasciste, je vais le perdre? Mais là voilà, on va se booster, on va se préparer. Par intervention. Bon. Embargo Germanie, USSR, Embargo The Empire. Non, je vais penser sur ça, limiter l'inter. Burns Wake. Donc là, on va passer en quoi? Arme expansion, ouais, on va gagner des slots. Bien. L'entraînement des troupes, ça dit quoi? Ouais, la recherche avance plutôt pas mal. Ouais, Basics Molarium Factories, 234 jours. Putain, j'ai pas vu que c'était aussi long. Mais bon, après ça nous aide à bien booster. Après, comme je vous disais, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a plein de territoires. On a combien d'usines? Ouais, on a 128, 150 usines, putain. On a 130 utilisées sur. On a 130 usines utilisées sur les besoins de consommation. C'est quand même assez épique, quoi. 75% de mon truc qui est utilisé dessus. Comment dire? Undisturbed Isolation. Et l'Undisturbed Isolation. Là qui saute. Non, 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 c'est pas ça. Bon, on verra. Ouais, les Américains vont venir nous aider. Ouais, on va vous aider pour les péter la gueule aux Mexicains. Mais c'est pas ça le plan. Si. Donc là, notre super plan d'invasion du Mexique. En mode, je te roule dessus. Avec nos troupes qui vont être hyper entraînées. On va se pencher, on va produire plus de chasseurs. J'aurais pu faire une petite guerre civile pour entraîner mes troupes, mais je me dis c'est un peu risqué. Ça aurait pu, voilà, c'est vrai que j'aurais pu vous le faire pour faire un peu d'activité, mais pff, non. On va se faire l'activité sur le Mexique. Là, je le joue en mode petite frappe hein, en jouant contre le. Oh putain, plus 0-3. Je le fais en mode petite frappe en jouant oulala oulala j'ai peur. Ah, doctrine aérienne. Formation wing, ok. Donc, pas compris, c'est les doctrines à moins 50%. Ah merde. Donc, là, mitaille construction, très bien.
Là, ça veut dire que théoriquement, tout nous a porté déjà. On va pas mettre en pause en même temps. Hop. Military Construction. Ah ouais, ça nous a ramené des buildings, des Military Factory. Expérience de l'armée. Ok, donc expérience de l'armée, on va pas s'emmerder, on va directement les craquer. Donc, en infanterie. Est-ce que je leur rajoute de l'artillerie? Directement, peut-être les mettre en 7-2. Donc, artillerie. Tac-tac-tic, tac-tac-tac. Moi aussi. Ouais, mais. Bien artillerie. Plus 5-32. Ah ouais, ça tape plus fort. Moins 0,3%, ouais, mais bon, c'est de l'infanterie, donc honnêtement. Ouais, et là, logistique compagnie, ville d'hôpital. Motorisé de médium artistique. Ah, et 24 points. On va enlever la compagnie de maintenance. On va enlever le Flamethrower Squad pour l'instant. On va enlever le fil d'hôpital. Hop! Donc là, il va me dire, oh là 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 là, il y a besoin de plein de ressources. Voilà. La horse artillerie. Pourquoi j'ai la horse artillerie? Parce que. Ah ouais, c'est vraiment du Heavy Trucks. Vous aide. Voilà, et là, à ce moment-là, on n'est plus en besoin de hors sortie, mais en Heavy Trucks. Donc, les Heavy Trucks. Heavy Trucks. Bêtise quoi? De l'artillerie, merde. On va faire deux usines d'artillerie. Et de base. Vérifie ça. Là, l'artillerie. Là, Warlordin, Light Artillery, fait chier. Donc. Les camions, les V-Trucks, de plus. Porte équipement, transport de véhicules. Ah, ensuite les ressources. C'est le Royaume-Uni. Ok, bon. Ensuite là. Et le super petit qui nique les oreilles. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là.
On est prêt à aller leur mettre sur la gueule aux autres. Donc on va mettre une petite pause. On garde nos divisions. Il y en a qui sont prêtes. Non, pas encore. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là. Donc moi, pour ma part, bah, j'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à liker, vous abonner, faire des commentaires. Allez aussi, comme je sais pas si vous êtes au courant, j'ai une page Facebook, une page Twitter qui fait les annonces. Et si vous avez des questions à poser ou vous voulez communiquer, faut pas hésiter. Je suis pas trop débordé, donc je peux vous accorder un peu de temps si vous avez des questions intéressantes et que vous écrivez à peu près en français. Parce que si vous m'écrivez en langage SMS, à part vous insulter ou pas vous répondre, il n'y aurait pas beaucoup de réponses. Donc voilà, sur ce, je vous dis bye les gens, à plus, ciao.